Salut, on va lire la première partie du texte intitulé Jumana raconte son voyage à ses camarades, à la page 158 du livret de l'élève Mes apprentissages en français, troisième année de l'enseignement primaire, sous le thème Les voyages et les excursions, unité 6, semaine 1. On écoute, Jumana raconte son voyage à ses camarades. Pendant les dernières vacances, nous avons voyagé, ma famille et moi, au nord du Maroc. Nous avons pris le TGV à Casablanca. C'est un train confortable et très rapide. Le trajet a duré 2 heures et 10 minutes. À Tanger, nous avons dîné dans un restaurant au bord de la mer. La vue sur la plage était magnifique et les plats délicieux. Nous avons passé la nuit dans un superbe hôtel. C'est la première fois que je visite Tanger. Cette photo représente une prise de vue de la ville de Tanger. Observons ces quatre photos. La première photo montre un restaurant magnifique. Deuxième photo, une plage. Troisième photo, un TGV, c'est-à-dire train grande vitesse. Et la dernière photo montre un hôtel. Je lis et je comprends. Première question, lis les phrases puis écris vrai ou faux. Jumana a voyagé seul, vrai ou faux. Jumana a pris le TGV, vrai ou faux. Jumana est parti à Marrakech, vrai ou faux? Deuxième question. Je réponds aux questions. Avec qui Jumana a-t-elle voyagé? Comment est le TGV? Dernière question. Quand la famille a-t-elle voyagé? Revenez au texte pour répondre à ces trois questions. On continue pour voir les réponses. Réponse à la première question. Jumana a voyagé seul, c'est faux. Jumana a pris le TGV, c'est vrai. Jumana est parti à Marrakech, c'est faux. Je réponds aux questions. Avec qui Jumana a-t-elle voyagé? Oui, avec la famille. Comment est le TGV? Il est confortable. Quand la famille a-t-elle voyagé? Oui, pendant les dernières vacances. On continue. Je révise le son. Très, trajet. Moi, foi, voix. Train. Première, prix. Plage, plat. Je lis et j'écris. Écris une phrase pour répondre à la question. Où la famille a-t-elle passé la nuit?
Revenez au texte pour répondre à cette question. Complète les phrases. Nous avons pris, vous complétez, à Casablanca. Nous, vous complétez dans un restaurant. Jumana, vous complétez son voyage. On continue pour voir la réponse. Alors, où la famille a-t-elle passé la nuit? La réponse, elle a passé la nuit dans un superbe hôtel. Nous avons pris le TGV à Casablanca. Nous avons dîné dans un restaurant. Jumana raconte son voyage. On continue. Je lis et j'écris. Écris la phrase en remplaçant le mot souligné par un mot. Regardez bien le mot souligné. Donc, nous avons pris le TGV. Remplacez ce mot par un autre mot qui veut dire la même chose. On continue pour voir les réponses ou bien la réponse. Donc, je peux remplacer TGV par le train. Donc, nous avons pris le train. On continue. Sixième question. Complète la phrase par les mots qui manquent. À Tanger, et vous complétez. Avant dîner, vous complétez. Un restaurant au bord de la mer, et nous avons, vous complétez. La nuit dans un superbe hôtel. Question 7. Trouve les noms des villes citées dans le texte et écris-les. Question 8. Remplace les mots soulignés par mon, je et mes. Écris la phrase. Jumana raconte son voyage à ses camarades. Donc, remplacez les mots soulignés par mon, je et mes. On continue pour voir les réponses. Donc, à Tanger, nous avons dîné dans un restaurant au bord de la mer et nous avons passé la nuit dans un superbe hôtel. Alors, les noms des villes citées dans le texte, c'était Casablanca, Tanger. Alors, remplace les mots soulignés par mon, je et mes, écris la phrase. Donc, Jumana raconte son voyage à ses camarades. Donc, je dois remplacer Jumana par je, son par mon, c'est par mes. Donc, je raconte mon voyage à mes camarades. On continue. Copie la phrase. Vous devez tout simplement copier cette phrase. C'est la première fois que je visite Tanger. Alors, la phrase écrite correctement, c'est la première fois que je visite Tanger. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. À très bientôt.